Bonjour à tous et à toutes, ici ITJBreak et dans cette vidéo je vais vous présenter le tweak Live Battery Indicator comme ceci qui est gratuit sur la source de MonMyEye. Ce tweak va vous permettre de modifier l'aspect de votre batterie comme ceci. Vous pouvez voir que j'ai activé le tweak mais je vais vous montrer avant comment c'était. Ça va vous permettre de afficher sous forme de rond le pourcentage de batterie afin de pouvoir modifier l'apparence de cette batterie et personnaliser votre appareil, en l'occurrence mon iPad. Nativement, la batterie s'affiche comme ceci, donc le petit logo de la batterie plus le pourcentage si vous l'avez bien évidemment activé dans les options. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le tweak comme ceci et confirmer, et on verra les changements la fin du téléchargement. Une fois le respring effectué, vous pouvez voir que le pourcentage de batterie a changé tout simplement. Vous pouvez voir que maintenant le pourcentage et englobé dans le logo de la batterie, mais ça peut changer si vous vous rendez dans Winterboard, comme ceci. On va faire une légère mise au point, et ensuite vous allez dans Select Theme, et puis vous allez activer ou désactiver la première option. Donc moi j'ai activé la première option, ce qui donne le pourcentage de batterie comme ceci, donc comme ceci. Mais bien évidemment, si vous voulez activer le cercle comme j'avais au début de la vidéo, il va falloir tout simplement désactiver cette option et donc effectuer un respring par la suite. Une fois le respring effectué, le changement appliqué, vous pouvez voir que maintenant le pourcentage de la batterie est englobé dans un rond comme ceux que j'avais au début de la vidéo. Donc c'est à vous de voir, soit vous laissez la batterie par défaut, donc vous n'installez pas ce tweak, ou bien vous décidez de personnaliser encore plus votre appareil et le rendre encore plus personnel, soit en ajoutant le petit thème dans Winterboard, soit en le laissant comme ça. Moi personnellement j'ai un petit faible pour la petite option dans Winterboard, donc je vous la conseille, et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Facebook et à ma chaîne YouTube, et bien évidemment visitez mon site internet itjbreak.com où je poste toutes mes actualités et mes vidéos. Merci.